dire quelque chose que j'ai pas compris, mais tu les as évoqués en couche. Alors tu parlais de couche protocole. Vas-y, vas-y, continue. Quand tu parlais de couche protocole, tu parlais au niveau TCP, TCP/IP, TCP/IP ou TTIP ou t'étais dans la couche OSI ou voilà, non, j'étais dans mon modèle à moi. T'étais dans ton modèle à toi. Où il y a que trois couches. D'accord. Moi, j'ai une seule couche protocole. Qui intègre trois couches du modèle OSI. Hein, d'accord. Parce que pour moi, quand je fais du dépannage, et on le voit hier, je n'affiche pas le contenu de mon site web parce que la page index.html, elle est pas là ou elle est mal nommée. Pour moi, c'est un problème applicatif. Mais je ne peux le dépanner que si d'abord, ça ping. J'ai ma résolution de nom qui est correcte. Pour moi, le système DNS, je le mets dans la couche protocole. Même si c'est faux. Ouais, voilà, c'est quelque chose qui est dans la couche applicative, le DNS. Ouais. C'est de la résolution de nom. Mmh. C'est complètement dans la couche applicative. Mais moi, je le mets dans la couche protocole parce que pour moi, ça fait partie de la brique du dessous dans le fonctionnement de mes logiciels réseau. Ça va mieux alors. Voilà. Dans le fonctionnement de mes logiciels réseau, j'estime que Active Directory, les serveurs web, les bases de données distantes, peu importe, tout ce que j'utiliserai dans mon réseau, si ça ping pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, je dois vérifier d'abord que mon DHCP fonctionne bien, mon DNS fonctionne bien, et moi, je fous tout ça dans la couche applicative, dans ma logique de fonctionnement. Tu te mets dans un contexte de dépannage. Mais même de mise en œuvre. Je sais que je ne pourrais pas avoir mon serveur de base de données qui fonctionne correctement si, précédemment, je n'ai pas bien fait les routes sur mes routeurs, j'ai bien ouvert les ports sur les pare-feux, etc. Pour moi, tout ça, je mets tout ça dans la... Et encore, c'est pas évident à accepter que le DNS et DHCP soient tout en haut, en fait. Même ça, on a du mal à le... Conceptuellement, c'est anormal. Vu que le DHCP, il donne des adresses IP. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fout en haut ? Bah oui, mais ça reste un programme. Donc, c'est pour ça. Moi, je préfère faire une grosse couche protocole. C'est pour ça que le modèle OSI, il est bien quand tu décortiques, que tu fais de l'analyse de trame. Quand tu veux faire du piratage, bien comprendre d'ailleurs, on s'appuie chaque chose. D'ailleurs, on s'appuie plus sur le modèle TCP/IP. Hein. Oui, le modèle simplifié. Ça suffit. Parce que ça suffit. Moi, je trouve que ça suffit. Après, effectivement, un amoureux de Cisco, il va dire « Alors non, il n'y a que le modèle OSI dans la vie. Hein. Ouais. Il n'y a rien d'autre. » Mais oui. Ok. Ça ne ping pas. En fait, si je ping le nom de domaine, et j'arrive pas à afficher ma page. Ah, ben voilà. C'est un problème de protocole ou c'est un problème applicatif alors ? Ah, on est dans quelle couche ? Ah bah, si ça ping. Oui, oui. Si ça ping le nom de domaine, le www, et que ça ping la bonne IP, il y a ça aussi. Oui, parce que s'il y a ça peut pinger une IP, mais c'est peut-être pas la bonne. Ouais. C'est 172.203.1.253, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que c'est bien ça ? Alors, je vais pinguer. Non, là, c'est carré ce que tu fais. On peut répéter ce qu'il a dit ? Tu as dit que ça pingait. Il a dit ça ping quelque chose. Ça ping, mais regarde si c'est l'adresse. Qu'est-ce qu'il a dit ? Quelqu'un a entendu ce qu'il a dit ? Il a dit ça ping l'adresse d'un site. Il n'y a pas tout à fait ça, c'est presque ça. Ça ping son site, en nom de domaine. Voilà, tu as dit ça ping mon nom de domaine. Et là, je t'entends dire, je vérifie le fil ping, je ping une adresse IP. Rien à voir. Si tu m'as dit ça ping le nom de domaine, je t'ai demandé quelle adresse IP ça pingait. Ça veut dire, quand tu as pingé ton nom de domaine www, il y a une résolution de nom qui a été faite. Est-ce que c'est la bonne résolution de nom ? C'est ça ma question. Réponse, quelle est l'IP qu'il a essayé de pinguer quand tu as pingé www.tondomaine ? 253. Voilà. Donc, ma question était, est-ce que ça ping la bonne adresse IP ? Réponse, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est la 253 qui est censée correspondre au nom de domaine que tu as essayé de pinguer. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le DNS fait bien son travail. Ça veut dire que apparemment quelque part sur le réseau, il y a un appareil dont l'adresse IP est 172.206.3.253. Bon, il y a des chances que ce soit ton routeur NAT. Donc je sais déjà à partir de ça que dans mon idée de couche protocole, tout est bon. J'ai pas à m'occuper du DNS, j'ai pas à aller le voir, j'ai mon consent maintenant dans la couche applicative. Et j'ai deux choses à vérifier dans la couche applicative. Première porte, je rentre par où là pour atteindre ton site web ? Par mon routeur.
Lequel ? Le NAT. Bah, faut vérifier quoi sur le NAT ? Ben, ouais, j'ai regardé, c'est OK. La confiance n'est plus... Ah, de toute façon, c'est simple. Si tout est OK, ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est que tout n'est pas OK, donc il faut vérifier. Mais ouais, c'est pour ça que je ne vois pas d'où ça vient, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ETH01172.203.1.253, port 80, 172.16.11.1, c'est bien l'adresse IP du serveur 3. Est-ce que c'est pas là le souci ? Eh bien, faut vérifier. Oui. 172.16.11.1, est-ce que c'est l'adresse IP du serveur 3 ? Je suis dessus. 172.16.11.1. Change de navigateur. C'est quoi ? Tu peux remettre la fenêtre que tu venais de montrer ? Qu'est-ce que c'est ça là ? Ouais, ça là. Ouais, ça là, ouais, c'est ouais, quoi ça ? C'est pas fou. C'est pas fou, ouais, effectivement, c'est pas fou, ouais. C'est qu'est-ce que c'est ? Enfin, je dis. Tu as un avis sur ce que t'as mis dans DNS préféré là ? Non. Ou pas ? Non. Non, aucun avis ? Non, aucun avis. Quelqu'un a un avis sur ce qu'il a mis dans DNS préféré ? Enfin, si le stream est arrivé ? Le DNS, il est pas bon. Alors, il est pas bon, ça dépend. Non, non. Encore une fois, c'est quoi le cahier des charges ? Ce DNS, il fonctionne très bien. Pourquoi ? Pour quel site internet ? Pour quel site web ? Les sites internet sont connus par le serveur DNS public. Exact. J'espère que dans son infrastructure, il n'a aucun site intranet sur ses DNS internes. Parce que si c'est le cas, tu ne pourras pas les afficher. Ton auxiliaire, il faut que tu rajoutes ton local. Non. C'est ça ? Faux. Ah, oula. Question. À quel moment un poste de travail, ou un serveur, enfin peu importe, interroge le DNS auxiliaire ? Quand ? Quand le premier ne répond pas du tout. Pas quand le premier répond, je ne sais pas. Quand il répond pas du tout. Mmh. Je vais passer sur l'auxiliaire quand le premier, il est off. No news. Là, je pense que lui, il va répondre. Puis en plus, il pourrait répondre en plus des vrais noms de sites qui existent. Hein. Donc, normalement, en fonctionnement normal, tout ce qui est interne, tous les PC, les serveurs, tout ce qui est interne, ils sont clients DNS du DNS interne. Et si je veux que mon DNS résolve les noms externes, on fait comment ? Dans notre cas de figure, par exemple, là, j'ai des... Redirecteur, voilà. C'est sur mes DNS internes que je mets un redirecteur et tout le monde est client, entre guillemets, du DNS interne. Et sur le DNS interne, je mets un redirecteur vers l'externe. Comme ça, je peux résoudre tous les noms. Mes noms intranet et les noms internet, on va dire. Voilà. S'il fait un redirecteur conditionnel... Ils peuvent le faire aussi, s'ils veulent. Bien sûr, ils peuvent faire les deux. Le seul oui, défaut, on va dire, voilà, s'il y a 34 sites à faire, il faut 34 redirecteurs conditionnels. C'est peut-être un peu lourd. Pour l'exercice, c'était... Oui, il aurait pu. Alors, excuse-moi une petite précision. Quand tu dis qu'il peut faire un redirecteur conditionnel sur quel serveur DNS, tu penses à quel serveur DNS ? Le redirecteur conditionnel, tu le crées, tu le fais sur quel serveur ? Ah oui, parce que si on regarde vos maquettes actuellement, vous avez 3 serveurs DNS potentiels. Les 2 que vous avez en interne et celui qui est en externe. Donc tu me parles duquel ? Il y en a un qui est en lecture seule. Alors je vais poser la question différemment. Quand tu veux faire un redirecteur conditionnel, c'est pour un nom de domaine. Lequel ? Ah, faut pas dire des phrases en l'air ici. Hein. Faut pas. Tu sors pas un truc du chapeau. C'est la question que je lui pose. Non, parce que sa phrase c'est on n'a qu'à faire un redirecteur. Ok ? Sur quel serveur tu vas le faire ? Le serveur 3. Ok. Et quand on fait ton redirecteur conditionnel, c'est vers un serveur DNS. Vers lequel ? Ah, et tu sais, quand tu souffles, j'entends. Hein. Même si je suis à moitié sourd, j'entends quand même, là. Il faut que tu souffles plus doucement. Plus doucement, parce que là, j'entends encore. Mais bon, ce qui n'a aucun rapport avec ton problème. Ça n'a aucun rapport avec ton problème.
Donc, on a dit le port forwarding, il a l'air bien, il est vers le bon serveur. Bon, bah, faut aller sur le serveur web alors. Donc, le serveur. Non. Ah, bah, ça, c'est pas le bon. Pas bon 2JS ? Si, mais c'est pas le bon. Quoi ? Parce que tu viens de faire un port forwarding, retourne sur ton port forwarding, la deuxième ligne, c'est vers quelle adresse IP ? Bah donc c'est lui ton serveur web. C'est le serveur 3. Ton site web, il est bien sur le serveur 3? Oui, pardon. Bah est-ce qu'on peut le voir? Ah bah non, là tu viens de changer encore de serveur, là t'es non, sur le 2 là. Non, mon serveur web il est sur le 2. Ok, c'est possible de revoir le plan là que j'avais demandé? C'est... Bon, apparemment j'ai pas été assez précis. Tu as le plan? S'il te plaît. Mais c'est le plan d'avant-hier, ça. Ouais, c'est... Non, le dernier, celui avec le nouveau site web que j'ai demandé. Non, je l'ai pas. Ah, il n'y a pas de plan. Bah, j'avais sur progrès. Ouais, ok. Bon, alors, il va vraiment falloir faire des progrès de ce côté-là. Hein. Faites des putains de captures d'écran. Il n'y a plus le stream, vous êtes décédé. Non, parce que... Non, bah, ne dis pas non, parce que là, c'est vrai. C'est oui. C'est oui. T'as le plan? Bah non, il était dans le stream. Donc tu l'as? Eh bah non, j'ai rien. Bon. Non mais et vous êtes admin. Vous devez avoir toutes les informations. C'est pas envisageable de dire bah je l'ai. Bah non, j'ai rien. C'était quelle adresse IP? J'en sais rien. C'est non. Non non, vous devez l'avoir et vous devez l'avoir tout de suite. C'est quoi le plan du réseau? Bah j'ai le plan du réseau. Bah oui, celui à jour, celui dont j'ai besoin maintenant. Donc il faut que je remette le plan. Non mais je l'ai. Ah, on l'a. C'est pas le bon. Ça, c'est pas le dé. En tout cas, c'est pas la dernière version du plan, ça. C'est là, non? Oui. Bah, pour finir là, j'ai demandé de faire un nouveau site internet. C'est ça le dernier truc que j'ai demandé. C'est ça? Est-ce que tu peux me donner l'URL que j'ai demandé? Oui, c'est exact, ouais, c'est exactement ça. Point sur pas. Ce plan, est-ce que tu le vois? Oui, on le voit pas. Bah, c'est pas le bon plan. Il est obsolète, ce plan. Bon, alors, si vous n'arrivez pas à faire les captures d'écran, c'est pas grave. Je vais vous faire des PDF et je vais vous les envoyer individuellement. Je vais les mettre dans Discord. Comme ça, vous aurez les plans à jour. Donc, je vais remettre le plan. Et donc, sur le plan, moi, ce que j'avais demandé, c'est que ce domaine-là, ce nouveau site web, il soit sur le serveur 3. Sur le serveur DNS. C'était lui qui devait héberger le site. D'ailleurs, si on regarde ton port forwarding, il renvoie vers l'adresse IP du serveur 3. Là, tu renvoies vers 172.16.11.1. Ça veut dire que le serveur qui héberge ton site internet, c'est 172.16.11.1. Bah, c'est pas le cas. Sur le serveur dont la... Non, mais t'es pas sur le bon, hein. Oui, j'ai compris. Celui-là, ah bah. C'est lui, c'est le serveur 3. Exact. Oui. Ça veut dire que c'est lui qui doit héberger le site web. Elle est là, la poulette. C'est pour ça que ça fonctionne pas, parce que tu fais le port forwarding vers le bon serveur, c'est ce que j'avais demandé, mais t'as pas mis le site web sur le bon serveur. Donc vous voyez, le problème, il est applicatif. Le DNS fait bien son travail, le NAT fait bien son travail... bah là, au niveau protocole, j'ai rien à dire. Tout est correct. Boum, je monte une couche. Et voilà, bah sur le serveur 3, bah, pas de site web, pas d'accès, pas d'accès, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Donc, sais-tu ce qu'il te reste à faire? C'est exact. Il faut que tu mettes ton site web sur le serveur 3. Voilà, tout s'explique. Tout s'explique, donc je vais vous mettre le plan. Je vais vous mettre le plan dans le Discord. Tac, tac, tac. Allez. Il y en a d'autres pour qui ça fonctionne pas ? C'est bon ? Bon, parfait. Allez, file.
C'est non, c'est pas ça. J'avais fait ça un tout petit peu. Document, donc. Donc pendant qu'il est en train de remonter son serveur web, petit cas de figure intéressant, le contenu des sites web, donc c'est-à-dire les sites web qui sont sur le serveur 2 et ceux qui sont sur le serveur 3, doivent être mis à jour. Le contenu doit être mis à jour. Évidemment, ce n'est pas vous qui devez le faire. C'est un développeur web qui doit s'occuper de ça. Je souhaiterais que vous permettiez, depuis Internet, donc depuis notre PC, depuis PC 3, je voudrais pouvoir me connecter en bureau à distance au serveur web. C'est ça que je veux faire. Je veux que vous me proposiez une solution. D'accord. Je voudrais que depuis le client qui est sur Internet, donc le PC 03, on puisse se connecter en bureau à distance au serveur web, donc le serveur 2 et le serveur 3. L'objectif étant la simulation, c'est le PC qui est sur Internet, c'est le développeur. C'est lui qui doit mettre à jour les pages HTML, il doit mettre les images, donc il faut qu'il accède au serveur. On va faire facile, connexion bureau à distance. Je regarde les ports utilisés. Oui, voilà, en RDP. Je regarde les ports qui sont utilisés par le bureau à distance pour la communication. Ouais. Je fais un transfert NAT de ces ports. Et bah, c'est parti. Je lui donne l'adresse IP publique. Let's go. Il n'y a plus qu'à. Allez, au boulot. Déconcertant de facilité, tout ça. Alors, le plan. Donc, le plan. Le plan. De quel site web? Les deux, enfin tout. Bah évidemment les deux. Donc il passe par le routeur 5 là, c'est ça? Le développeur. Oui, bien sûr. J'ai mis le plan à jour. Donc, et ben il n'y a plus qu'à. Comme dit David.
Il y a plus qu'à autoriser la connexion. Oui. Un souci ? Alors, j'arrive. Alors, serveur 3, ok, serveur 3, très bien. Alors, ouais, qu'est-ce qui va pas ? Ben, je sais pas, mon site, je le mets où en fait, donc c'est toi. Sur le serveur 3 oui, oui, je sais ce que c'est le serveur 3, mais. Donc, il faut un site internet sur le serveur 3. Oui. Donc, il faut un serveur web donc. 2IS, quoi. Ouais, 2IS, bah, c'est exactement ça, oui. C'est ça. En fait, là, c'est pas juste le développeur, c'est tout le monde qui connaît l'adresse IP et qui va pouvoir se connecter. En aucun cas, non. Bah, tous ceux qui sont dans la zone, non. Ok, donc moi je suis Kim, le vil hacker coréen. Par miracle, j'ai trouvé ton adresse IP, bim, je peux me connecter au serveur. Ah ouais. Ouais, il faut encore de l'eau qui me...
Ah oui, non, faut juste en plus le mot de passe du compte administrateur. Ça sert à rien, je veux dire, pour Kim. Pff, rigolade. Okay. Non, mais ça c'est pour ça, les mots de passe, c'est décoratif. Ça sert à rien. Bah, j'ai... Non. Bah, non. Ça fonctionne ? Oui. Pour les deux serveurs ? Oui. Formidable. Un souci ? On a déjà eu cette adresse, cette erreur. S'il y en a qui regardent le stream, vous avez une idée ? J'ai pas d'erreur sur l'écran. Ça va arriver. Erreur 403, interdit, accès refusé. Ouais. C'est le nom de ton fichier. C'est l'index. Ah, oui. L'index qui... Bonne réponse. Le nom du fichier, c'est pas le bon. Il faut que tu renommes dans le. C'est index.html qui doit s'appeler le fichier. Et oui. Je crois que tout le monde a fait cette erreur. Dans mes statistiques personnelles, je crois pas qu'il y en a un qui ait échappé à l'index.txt ou HTML ou. Et vas-y, va sur ton client, tu fais CTRL F5 sur le client. Ah bon ? Non ? Bah comme tu veux. Ah non, non, si. Si, mais non. Non, je crois que c'était le chemin que je vous donnais qui était plus bon. Si, ça change rien, ça. Page de test. Ça fonctionne. Et donc ce que j'avais demandé maintenant, c'est depuis ton client, là, ton PC3, je veux autoriser la connexion en bureau à distance au serveur 2 et au serveur 3. On imagine que sur ce PC-là, c'est ton développeur qui doit mettre à jour les pages. Exact. Exact, c'est ça qu'il faut faire. Ah non, c'est l'autre. Après, c'est lui qui va corriger.
Voilà. Là, tu me dis si tu as créé un compte ou pas. Moi, je te remercie. Moi, il ou l'autre, et c'est prêt. Oui, c'est comme ça que je fais. Je te remercie, c'est bon ou pas. J'ai rien dit. J'ai rien dit, je regarde. Je peux rien, je pas. Ok, moi, je regarde pas. Je fais un peu plus de théorie parce que. Comme tu peux me demander si tu veux. Oui, oui, oui. Sinon, non, je te laisse. Je... Bon, sinon, ouais, c'est. Ah, oh, j'ai fait comme ça. Christophe J'ai. Oui. Maintenant, moi, j'ai aussi. De serveur, de quel serveur? Du serveur 2. De mon serveur 2. Voilà. J'ai mis le rôle. À distance. Et ah! Est-ce que j'ai une console? J'ai pas de console. Ah là 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 là, la poulette! Ah la poulette! Non, y a pas drôle. C'est pas drôle, hein, ce que t'as fait. J'ai pas été drôle, mais j'aurais voulu avoir une console pour l'administrer, j'en ai pas. C'est normal parce que c'est, ça se passe plus comme ça du tout, hein. C'est pas ça. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut avoir connaissance du port? Est-ce qu'il faut avoir connaissance du... On appelle ça. Du bureau à distance. Du bureau à distance. Bien sûr. C'est justement l'objectif de cet exercice. Ouais, voilà. Donc, premièrement, si vous voulez que des gens se connectent en bureau à distance sur n'importe quelle machine Windows, que ce soit un serveur ou quoi ou qu'est-ce, ça n'a pas d'importance. C'est de la même façon que vous devez faire. Donc, sur le serveur 2, hein, premier exemple, on va le faire sur le serveur 2. Vous faites Windows R et vous tapez 6dm.cpl. Il me dira si j'ai fait une boulette ou pas. Donc quand vous êtes dans 6dm.cpl, vous avez un onglet qui s'appelle Utilisation à distance. C'est ça. Comme ça, qu'on va autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. C'est comme c'est ça qu'on fait. Ça que je faire, ouais. Juste c'est... comme ça qu'il faut faire. Ouais. Ça fonctionne aussi sur Windows 10, 11, les clients, enfin peu importe. N'importe quel Windows, professionnel évidemment, à la maison, il n'y a pas connexion bureau à distance. Si vous avez une version familiale à la maison, il n'y a pas. Mais voilà, vous allez sur tous vos serveurs, et ça c'est un grand classique de l'administration des serveurs distants. On autorise la connexion bureau à distance pour que vous puissiez... administrer vos serveurs à distance sans vous déplacer quand ils sont dans le data center, quand ils sont chez Claude, peu importe où ils soient. On se connecte ici avec le protocole qui s'appelle RDP. Je crois que tu... Voilà, c'est RDP, c'est Remote Desktop Protocol. Et effectivement, il faut connaître le port utilisé par ce protocole. On a fait du port forwarding pour HTTP, c'est le port 81. Le port RDP, c'est 3389. Donc, ce sera la même logique de fonctionnement tout le temps. Quand on fait du port forwarding, il faut toujours savoir ce que je souhaite publier comme service, du HTTP, du RDP, du FTP, du n'importe quoi ce que tu veux. Il faut savoir le, attention, port TCP et ou UDP, voire les ports. Certains services nécessitent plusieurs ports, voire des plages de ports. Mmh. Ça s'invente pas. Ça, ça s'invente pas. Faut mettre les bons ports. Point. Si t'as pas les bons ports, t'as pas les bons ports, tu te connectes pas, tu te connectes pas, tu te connectes pas. T'as pas de pierre, pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Donc la première chose à faire d'abord, c'était ici, autoriser la connexion bureau à distance à cet ordinateur. Évidemment, il faudra faire la même chose sur l'autre serveur. Et j'ai envie de dire, habituellement, on le fait sur tous les serveurs. On autorise les connexions bureau à distance sur tous les serveurs, habituellement. Vu que ça évite de se déplacer, c'est très pratique. Monsieur Sécurité n'est pas du tout d'accord avec cette version des faits. Mais Monsieur Sécurité, c'est pas lui qui administre les serveurs. Donc lui, il blinde et il dit, non, non, vous vous déplacez dans le data center. Vous prenez les mitaines, hein, et vous allez travailler sur la machine. Ça, c'est la première étape. Exactement. Encore une fois, si je veux faire tout ce qu'il faut, il faut que ce soit bien dans toutes les couches. Voilà. Tant que j'ai pas fait ça, de toute façon, je peux rien tester. Là, c'est juste l'accès, la possibilité. Ah, c'est comme tout à l'heure pour Stéphane, c'était pas possible d'accéder au site web parce qu'il n'y avait pas deux IS. J'ai pas de IS, on peut rien tester. Bon, voilà, donc bien sûr, sur ce serveur, je vais autoriser donc les connexions à distance. Tu peux rappeler la commande, s'il te plaît? 6dm.cpl. 6dm.cpl, d'accord. Ça affiche les propriétés du système, en fait. Ouais, ouais.
Système.cpl. Je ne sais plus ce que ça veut dire, le D et le L. Le système Device Manager, je crois. Bon, peu importe. 6dm.cpl. C'est comme ncpa.cpl, WF, voilà, ça permet de ne pas se prendre la tête en dire mais c'est où le machin, je ne sais plus par quel chemin y accéder, au moins. Ça marche sur toutes les versions de Windows. Enfin, il y en a un paquet, pour le moment, ça marche sur toutes les versions de Windows encore. Je peux pas vous dire pour Windows 12, pas sorti encore. Donc ça, c'était la première chose. Voilà. Et la deuxième chose, ça va être de faire le port forwarding. Maintenant que je sais que j'ai un service hébergé sur un serveur qui utilise un port, j'ai toutes mes informations, je peux faire mon port forwarding. J'ai cru comprendre que Abdou avait créé des adresses IP en plus. Des adresses IP. Sur ton NAT. Oui. En externe, tu as rajouté des adresses IP. Oui. Alors, est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Est-ce que c'était nécessaire? Exactement. Exactement. Comme ce n'est pas le même port, oui, on peut utiliser la même adresse IP. Ok. Pour en revenir à ce que tu disais, tu les payes combien tes adresses IP, toi? Bon, apparemment, chez Abdou, tranquille. Il a acheté une plage de 256. Il est bien. Il est bien. Mais effectivement, Monsieur Sécurité préférerait que ce ne soit pas la même adresse IP. Comme ça, on peut mettre du filtrage différent, on peut faire des blocages comme on veut, c'est plus simple à gérer. Monsieur, je paye les adresses IP, il en paye une et il met tout dessus. Voilà, il n'y a pas de... bloquer certaines, enfin, autoriser que certaines adresses MAC. Oui, oui, oui. Ou adresses IP distantes. Après, dans les filtrages de sécurité, on peut tout faire. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne peux pas te connecter chez nous, parce que ton IP, elle n'est pas autorisée à se connecter. Pas encore, mon collègue il doit être là aujourd'hui. Il va falloir que je pense à lui rappeler. Donc ici, il faut que je fasse un nouveau port forwarding. Enfin, pardon, deux nouveaux port forwarding parce que je vous avais demandé les deux serveurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, mais j'ai une. Peut-être que je le remplisse. Donc on a dit ETH01, première adresse IP. Je mets donc l'adresse IP de ma première carte réseau. C'est le port TCP, on avait dit 3389. Et la remote IP, c'est l'adresse IP du serveur 2. Mon serveur 2 à moi, c'est port 3389. Et je le refais une deuxième fois. Mais cette fois, je change et je mets. Toujours le même port. Et c'est 512.16. Pour les protocoles, là, on met TCP, mais qu'on mette TCP ou qu'on mette TCP et UDP, ça fonctionne pareil. Oui. Faut pas le dire à Monsieur Sécurité. Parce qu'il va te dire, Monsieur, vous augmentez la surface d'attaque de votre serveur. Car peut-être, sur le port UDP 3389, il y a une faille de sécurité attaquable par Kim, le hacker coréen. Mais au niveau fonctionnement, ça changera. Juste ouvrir un port inutile. Enfin, inutile pour le bureau à distance. Peut-être utile pour autre chose. Oh, bon. Non, rien. Bon, bah rien. Pour bien faire, il aurait fallu peut-être créer un compte pour la personne qui va se connecter ou... Ah, pour moi, ça, c'est la couche applicative. Okay. Bon, ça y est. Le bureau à distance est fonctionnel. Il est publié sur Internet. Maintenant, je veux sécuriser. Bon, fais tout ce que tu veux, effectivement. Parce que Monsieur Sécurité veut ça. Là, évidemment, dans le scénario que je vous ai donné, je voulais qu'un développeur puisse se connecter au serveur pour mettre à jour des pages HTML, là, il a le compte administrateur du serveur. Donc, tu vois ce que je viens de faire? Développeur, administrateur, serveur. La plus grosse bêtise du monde. Non. Ne jamais faire ça. Jamais de la vie. De toute façon, normalement, il va faire n'importe quoi sur le serveur. Il se connecte avec son compte. Donc, comme disait Abdou, j'aurais mieux fait lui créer un compte
lui donner les droits de se connecter en bureau à distance et le limiter uniquement au dossier du site, point. Il change des pages HTML et puis ça s'arrête là. Surtout pas qu'il aille, bon là, administrateur, ouais, il désinstalle deux IS, il ajoute autre chose, il arrête la machine. Ouais. Pas mal. Ah bah moi j'ai fini de bosser, j'ai fait démarrer, arrêter. Bah, c'est bien, c'est bien pour la planète, on est bien, il n'y a plus de serveur. Oula, malheureux, tu vas pas faire. Oh. C'est, faut pas faire des choses comme ça, monsieur. Oh, bah. Donner des droits aux développeurs. Vous êtes fous? Vous êtes fous. Non, là c'était juste pour travailler avec le port forwarding. C'était qu'une excuse pour faire du port forwarding en plus. Ah, ça fonctionne pas? Ben, je peux pas me connecter. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe dans... Alors, fais OK. Qu'est-ce que tu mets comme adresse? Ah, bah, ça, c'est normal. C'est l'adresse de mon serveur. Faux. C'est pas la bonne adresse IP qu'il faut mettre. Tout ce qui se trouve derrière un NAT est injoignable, impingable, invisible, n'existe pas pour l'internet. C'est l'IP publique qu'il faut mettre. Il faut mettre l'adresse externe de ton NAT. Donc attention, si tu veux te connecter en bureau à distance au serveur 2, il faudra que ça finisse par 254. Ouais. Si tu veux te connecter au serveur 3, il faudra que ça finisse par 253. Ouais. Voilà, il faudra choisir le 2. Là, je voulais le 192 à 68, maximum 254. Bah, donc, il faut que tu mettes. Ouais. Bon. Par contre, j'ai vu quelque chose, c'était sur mon... Et du coup, là, si on se connecte en bureau à distance, comme ça, oui. En ça mettant que l'adresse IP publique, oui. Ben voilà, il y a ce qui se passe. Je me demandais ce qui allait se passer, mais justement, qu'est-ce qui va nous faire aller sur le serveur là? Eh ben, le fait qu'il a mis l'adresse IP publique qui finit par 254, ton port forwarding de l'adresse 254 renvoie vers le serveur 2. D'accord. Ouais. Donc ça va l'envoyer vers le serveur 2. Donc il faut qu'il mette le login et le mot de passe du serveur 2, qui bien évidemment n'est pas le même que celui du serveur 3. On sécurise. Hein. T'as pas besoin de faire point anti-slash et le compte. Tu peux le faire si tu veux. Tu peux. Dans mon SysDM, j'ai une option n'autorise que les connexions des ordinateurs exécutant les bureaux à distance avec authentification. NLM. Donc ça, en fait, tu peux le cocher ou le décocher. Ça dépend de la version de ton client. Sur ton poste Windows, tu as lancé MSTSC. Ouais. Quelle est la version d'MSTSC que tu as? Est-elle compatible avec l'authentification NLM? D'accord. Alors, j'ai envie de te dire, si tu n'as pas un truc plus vieux que Windows XP SP1, c'est compatible. Attention, pour Windows. Ton développeur, son OS, c'est quoi? Bah évidemment, il est sous Linux, le gars. Il a quelle version de RDP? Son client de connexion bureau à distance qu'il va utiliser, il y en a sous Linux, il y en a plein. Est-ce qu'elle est compatible NLA ou pas? Ah ouais. Bah, il y en a, oui. J'imagine que non. Mais Alors, la bonne réponse, c'est... Bah, j'en ai aucune idée. Donc, soit tu vas dire... Windows Linux, en général, ça ne marche pas trop. Ah bon? Oh, t'exagères. En fait, c'est tout simple. Si tu décoches cette case, tu vas baisser ton niveau de sécurité, parce que c'est un système d'authentification moins puissant quand on n'y a pas le NLA, mais tu vas augmenter le potentiel de gens qui peuvent se connecter chez toi. Ouais, donc pas bon, quoi. C'est un choix. Tu vas choisir plus de praticité, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se connecter avec leur téléphone, ils ont de l'Android. Pire, un mec et un Mac. Le niveau débile, quoi. C'est quoi son client qui l'a dessus? J'en sais rien. Bon, bah, on décoche la case, comme ça, ce sera compatible avec un max de trucs. Même un vieux Windows 3.1, il pourra se connecter. Bon, si par contre tu veux monter ton niveau de sécurité, il faut laisser cocher NLA, et là, le développeur il dit: je comprends pas, je peux pas me connecter, machin. On se retrouve avec, comme tout à l'heure, un problème. La couche physique, elle est bonne, protocole, sapping, applicatif, et bah, c'est pas la bonne appli. Ouais, c'est-à-dire que si mon dev vient avec son Mac, il comprend pas. C'est-à-dire que là, en fait, il faudra vérifier. Il faudra vérifier. Il faudra se dire, ah, et quelle version que t'as, etc. Donc là, bah, c'est chiant. Hein. Donc là, on peut se mettre dans cette situation avec la maison, en fait. Cette situation de prise de main du bureau à distance. J'ai laissé mon PC. T'as des serveurs chez toi? Non, pas des serveurs, mais un PC. Si je le fais avec le routeur de ma box. Si je le fais avec ma box. J'ai compris.
tu voudrais sur ton PC à la maison activer le bureau à distance. Ouais. Et bah, depuis cette pièce, te connecter en bureau à distance chez toi. Ouais, voilà. Faut faire le port forwarding du 3389 sur ton PC à la maison. Seule contrainte, est-ce que tu as une version pro de Windows? Ouais. Là, c'est bon, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il y en a qui le font. Hein. Oui, oui, oui. Faut laisser ton PC allumé toute la même journée. Oui, voilà, c'est. Ah oui, faut qu'il soit démarré. Oui, c'est non, mieux. Non, mais... Après, il y a le Walk and LAN. Ça marche ou pas ça? Ça fonctionne, le Walk and LAN. Alors, le problème. Faut l'avoir activé dans le BIOS, non? Non, mais si tu veux. Évidemment, t'as activé ton Walk and LAN, t'as tout fait. Mais ça veut dire qu'il faut que tu le publies aussi, le Walk and LAN. Ah oui. Et oui, parce que si tu veux que depuis cette pièce, lancer la commande qui va réveiller ton PC chez toi, il faut port-forwarder le Walk and LAN. Ah, ouais. Ça, c'est pas possible. Enfin, dans l'état actuel de mes connaissances, c'est pas possible parce que c'est des protocoles bas niveau. Ouais, c'est très bas, ouais. Ils sont en dessous. Parce que le matin, ils doivent l'allumer. Donc, ce qu'on fait, sur une machine qui, elle, reste allumée tout le temps, un serveur, on fait un script qui va lancer le Walk and LAN sur tous les PC de l'entreprise à 7h30 du matin. Ouais, ouais. Comme ça, à 7h30, tous les PC démarrent, mais on est en LAN. On est en LAN. Et il faut une machine qui, elle, soit réveillée pour aller réveiller les autres. Ouais, ouais. C'est, voilà, donc ça, publié sur Internet, il te faut un truc qui tourne chez toi tout le temps. Mmh. Je crois pas que nos box intègrent encore des outils de Walk and LAN sur les PC à la maison. Moi, je vois pas l'intérêt. Non, c'est voilà, juste... Il y a très peu d'intérêt d'allumer des PC chez toi. Je crois pas. C'est plutôt les entreprises que ça intéresse, voilà. Mais ça fonctionne. Hein. Mais oui, t'as raison, faut dans le BIOS que ce soit activé, faut qu'il y ait la carte réseau le gère, la carte mère le gère, que ce soit activé, faut que tu aies les logiciels qui intègrent toutes les adresses de toutes les machines du réseau, les MAC adresses, il faut. Donc c'est faisable. Ouais. Alors, ça publie, c'est bon, vous pouvez vous connecter en bureau à distance à vos deux serveurs, ça y est, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Les développeurs peuvent se connecter aux admins. Ouf, le serveur à distance, c'est la catastrophe. Bon, on le fait aussi, évidemment, pour tous les admins, quand ils doivent administrer les PC de leurs clients à distance. On fait beaucoup ça. Ou on installe les outils de prise de main à distance. Les deux existent. Alors, Abdou, vous l'avez fait souvent. Oui. C'est plutôt outils de prise de main à distance ou RDP? Non, prise de main à distance. Voilà, vous installez dessus. Oui. C'est quoi que vous utilisez, vous? ISL. ISL. Bon, je connais pas. ISL, ça ou du RDP. Mais les deux existent. C'est en général en interne, c'est tout le temps du RDP. Oui, en interne. Voilà, en interne, c'est du RDP partout. Quand c'est à travers Internet, oui, ça se discute. RDP, VSphere, ça dépend de ce que tu fais. Alors, VSphere? Ouais, mais ça c'est. Non, mais VSphere, c'est pour les ESXi, ça. Ouais, c'est pour VMware, ça. Ouais, ouais. Ça, c'est autre chose. Très bien. TeamViewer aussi. Bah, TeamViewer, voilà, c'est prise de main distance. Ouais. C'est pas tout à fait le même genre d'outil, mais c'est. Mais c'est, donc ça dépend. Bah, les deux existent. Hein, faudra travailler avec les deux. Oui, ma souris. Ouais. Très bien. Parfait. Alors, pour la suite, j'aurais besoin que vous me rendiez un petit service. Je vais le faire sur le serveur 2. Est-ce que vous pourriez lancer la commande sysdm.cpl sur le serveur 2 et me dire quel est le nom de l'ordinateur? Ah bon? Dans nom complet de l'ordinateur, c'est ce qu'il y a écrit. C'est ce que tu lis. Toi, tu l'as renommé. Eh bien, je te remercie beaucoup. Sur une idée d'Abdou, vous allez renommer toutes vos VM. C'est-à-dire, je souhaiterais, s'il vous plaît, que là où il y a écrit nom complet de l'ordinateur, ce soit exactement le même nom que le nom de la VM. C'est-à-dire SRVXY01, SRVXY02, SRVXY03. Vous ne faites que les serveurs. Allez, clients, c'est pas la peine. Mais je voudrais au moins que vos trois serveurs s'appellent vraiment SRVXY01, SRVXY02, SRVXY03. Donc pour ce faire, sur votre serveur 1, 2 et 3, il faudra faire sysdm.cpl, cliquer sur le bouton modifier, et là où il y a écrit nom de l'ordinateur, vous écrivez le nom que j'ai demandé. Bon, je suis sur le serveur 2, donc j'ai écrit SRVXY02. Lorsque vous allez cliquer sur OK, redémarrer. Effectivement. Pour que ce soit pris en compte le redémarrage, le nouveau nom de l'ordinateur, il faut redémarrer l'ordinateur.
Donc vous allez redémarrer vos trois serveurs. Le 2 et 3, non ? Ah non, 1, 2, 3, les 3. Ah, les 3. Les 3, vous le faites sur les 3, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît aussi, dorénavant, vous le ferez s'il vous plaît systématiquement. Vous avez vu, par défaut, le nom, c'est un nom aléatoire. C'est win-quelque chose, dégueulasse. Dans la vraie vie, les serveurs sont renommés. On ne laisse pas les noms par défaut des serveurs. On tape juste le nom du serveur, on est obligé de taper l'IP du serveur. Eh ben, on va voir ça. Tu crois que ça fonctionne, ça? On va essayer. Tu paries combien? Que ça fonctionne? Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, Stéphane? Que, en fait, quand tu veux prendre la main sur ton serveur, au lieu de taper l'adresse IP de ton serveur, tu peux taper son nom. Oui, tu peux taper son nom s'il y a le DNS, si tu as du... Parce que si tu as 10 serveurs, tu connais le IP de tous tes serveurs. Oui, oui, tu peux mettre le... Mais il faut qu'il y ait une résolution de nom. Je suis désolé, j'entends pas ce que tu dis. J'ai vu les noms de machines passer à un moment dans les serveurs DNS, j'ai l'impression que ça va... T'as vu les noms de machines passer à un moment donné dans le DNS? En me baladant. Je me baladais sur la grande rue... Non, c'est une erreur. Ah, je sais pas, faudrait que tu me montres ce que t'as vu. Non, mais attends, c'était pendant cette semaine? Ouais. À un moment, quand je cliquais, il me semblait attendre. Dans le DNS, t'as vu des comptes d'ordinateur. C'est ce que t'es en train de dire. Des noms de machines. Oui, des noms de machines, oui, c'est ça. C'est... Bon, bah, mais c'est tout à fait possible, tu sais. Moi, je ne crois que ce que je vois. Si tu me le dis. J'y crois pas une seconde, mais je me garde toujours 1% de possibilité à me dire, on sait jamais, mais je dois t'avouer que j'en serais très étonné. Je vous dis ça, renommer les machines, parce que dans la vraie vie c'est ce qu'on fait, ce sera surtout très important pour la semaine prochaine. Donc on les supprime pas les VM. Si si. Donc on va les refaire. Quand on va les refaire. Donc il faudra bien les renommer surtout la semaine prochaine. Là, là on a pu tout faire sans les renommer. C'était pas important. C'était surtout adresse IP qui était importante. Bon bah là, ça a changé un petit peu. Vous avez pu redémarrer vos trois serveurs, c'est bon? Ils s'appellent maintenant correctement SRVXY01, SRVXY02 et SRVXY03. Parfait. Et donc sur une proposition du S, vous allez pinguer le nom du serveur 1 par exemple. On va pinguer, faites ping SRVXY01. Ah, je crois que c'est ça ping. Une connexion à distance avec le nom de la machine. Peu importe, ça fonctionne pareil. Ou alors, effectivement, vous pouvez essayer depuis le client 01. Oh putain, j'ai une mise à jour. Ok, bon, alors le client 1, ça va mettre deux plombes. Je vais prendre mon client 2. Donc, question. Si vous vous mettez sur le client 01 qui est normalement dans le LAN 1, client 01 est dans le LAN 1, sauf si vous l'avez bougé, vous l'avez peut-être bougé par contre, je sais pas trop. Bon, c'est pas grave. Clac, je vais retourner in the.
J'aime bien récupérer une paix, formidable. Donc ping et servi XY, 0. Ça ping. Ah, c'est bon, ça ping. Ping pas le SRV. Ah, ça ping pas, mais t'arrives à te connecter en bureau à distance. Alors depuis le PC 3. Depuis le... Ah, attends. Depuis le PC 3, t'arrives à te connecter en bureau à distance au serveur 1. Ah non, au serveur 2. Alors moi j'ai dû... Ah bah oui, mais ça c'est normal ça. C'était l'exercice d'avant, pardon. Alors, donc on change d'exercice. Depuis mon PC 1, si je veux me connecter sur mon serveur 1, admettons. 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 J'étais en train de refermer la serre. J'ai failli tomber. Ça c'est parce que tu fais pas des nœuds magiques. Ouais, je sais. Faut faire des nœuds magiques. Enfin, les nœuds magiques, ils se défont jamais. C'est des nœuds, tu les fais, jamais ils se défont. On n'a pas fait de résolution d'ailleurs. Moi j'ai demandé, vous les avez renommés. Ah mais on m'a dit que c'était bon, ça marchait, ping serveur 01, et que ça fonctionnait, on pouvait se connecter, pourquoi pas, en bureau à distance et tout. Ouais. Ça ping pas? Bah normalement, enfin... Alors bon, on va essayer autre chose alors. Normalement, si on a mis en place... D'après le plan, qu'est-ce que j'ai... Ah, vous avez votre PC 4, par exemple. Question. Votre PC 04, il est connecté à quel V-switch? Le 4. Il est au 4? Il a bougé. Il est sur le 4, le PC 4? Ouais. Bah oui. Bon, vous... Je suppose que si vous essayez de pinguer serveur 01, ça ne pingue pas. Vous pouvez tenter, hein. Vous pouvez tenter. Pourquoi le PC 4 serait plus branché? Pour le plan, il y est. Bah, sur mon plan, le PC 4, moi, il est sur le V-switch privé 5, comme le serveur 1. Moi, sur mon plan, c'est ça. Je sais qu'on a bougé, les machines, etc. Donc, on va se remettre... Tu veux pinguer quoi? Alors, déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous remettre comme c'est sur le plan? C'est-à-dire, ouais. Est-ce que le PC 04, votre client 4, vous pouvez le connecter au V-switch privé 05? C'est-à-dire, le même V-switch que le serveur 1. Donc je répète, votre client 4, vous le connectez au même V-switch que le serveur 1. Et normalement, vérifiez bien avec le petit IP config, est-ce que vous avez bien récupéré, si les DHCP fonctionnent toujours, etc. Vous avez bien une adresse IP en 172.16.x. quelque chose. Donc en clair, je veux que le poste de travail qui va vous servir à faire les tests soit dans le même LAN que le serveur 1. Ouais, mais là, j'ai du DNS. Et si vous y êtes, vous essayez ping SRVXY01. Entrez. Et ça ping? Oui, ça ping, mais... Mais... C'est du BV6, c'est quoi? Je sais pas, il y a un truc bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? Vous avez dit bizarre. Ah oui, c'est... Ah oui. Oui, effectivement, c'est l'adresse IPv6. Voilà. Bon, ouais. Pour simplifier les choses, est-ce que vous pouvez faire ncpa.cpl sur toutes vos machines et vous me désactivez IPv6? Comme ça, on sera de l'IPv4 partout. Ouais. Ça évitera que ça porte à confuse. Vous décochez juste la case. Hein. Vous faites ncpa.cpl, là où il y a protocole TCP/IP version 4, ouais. Et en dessous, il y a trois lignes plus loin... TCP/IP version 6, vous décochez IPv6, vous faites OK. Alors malheureusement, il faut le faire sur toutes vos machines, évidemment. ncpa.cpl, comme ça, on sera plus embêté par l'IPv6. Qu'est-ce que c'est que cette drogue? Du coup, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus, la drogue? Oui. Ça fonctionne plus? Ah.
En tout cas, si je veux pinguer SRV 0. Donc, le serveur 1 et le poste de travail sur lequel tu te trouves sont dans le même LAN. Et quand tu fais ping SRVXY01, ça ping pas. Si tu ping l'adresse IP par contre du serveur 1. Voilà. Du coup, il m'affiche en IPv4. Il est là, quoi. Effectivement. C'est rassurant. Mais pour tout à l'heure, je vais utiliser l'IPv6 alors. Bon, alors là, le problème, vous avez parlé à deux en même temps, je suis désolé. Ça a fait une collision. Défaillance générale. Bon. Voyons voir. Alors, elle est où la poulette? Alors, c'est le haut qui a gagné hier. Alors, on est sur le client 4. Vous avez fait ipconfig évidemment pour vérifier l'adresse IP que vous avez comme j'avais demandé. N'est-ce pas ? 172, c'est ça, ok. Ah ouais ? Moi j'étais bien en 10.14 dans mon réseau. 10.14 ? Ah ouais, bah non, c'est pas bon. Ah ouais ? Bah effectivement, c'est pas bon, ouais. Enfin, d'après mon plan, je crois pas que c'était 10.14 le réseau 5. 172.16. Oui, c'est, dans mes souvenirs, c'était plutôt ça. Oui, ça file. Mais oui, mais pas pour le haut. Il y a de la poulette chez le haut. Comment ça se fait quand on a pingé le nom machine, il a privatisé l'IPv6? Alors, j'ai pas je comprends pas ce que tu veux dire quand. Qu'est-ce qu'on t'entend? Qu'entends-tu par privatiser une adresse IP? C'est-à-dire qu'en fait. Prioriser. Oui, prioriser. Ah. Quand j'ai pingé l'adresse IP, bon, ben voilà, il m'a affiché le. Il m'a affiché le serveur. Mais quand je ping SRV SC01. Dans les réponses de ma requête, en fait, il me mettait l'IPv6. Pourquoi il ne m'affichait pas l'IPv4? Alors, parce que, en fait, quand vous avez le protocole IPv4 et IPv6, il utilise les deux, en fait. Ah, donc en fait, ça, vous ne l'avez pas vu, mais il a utilisé les deux. Et il se trouve que, structurellement, IPv6, c'est plus rapide qu'IPv4. D'accord. Donc, ça répond, c'est le premier qui a répondu, c'est l'IPv6. Mmh. Tu aurais pu tricher en faisant ton ping et tu fais tirer 4. Au bout, ça l'oblige à faire de l'IPv4 tout le temps. Et comme il oula, 169-254, ça sent pas bon cette affaire, monsieur O. Yes. Pardon, excuse-moi, tu voulais dire David. Ah, c'est David, pardon, qui disait. J'ai mon serveur 2 qui rame, je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi, ça rame grave. Le serveur 2. Bah, redémarrer. Oui, c'est pas grave, rebooter. Ça rame grave, mais c'est pas grave. N'oubliez pas, hein, dans le doute, tu rebootes, si ça rate, tu formates. C'est quoi déjà, Christophe, la commande, c'est pour lancer la lettre de commande en mode admin? Alors, faut que tu appuies sur le bouton démarrer une seule fois. Yes. Tu écris CMD et tu fais CTRL-SHIFT-ENTRÉE. Donc là, si tu pinges celui-là, ça serait. Ou dans ta zone de recherche en bas, là, dans ta barre des tâches, tu écris CMD. Faut que tu l'écrives. Stop! Contrôle shift entrée. Ouais, c'est exécuté en tant que. Ou sinon, on peut exécuter en tant qu'admin. Ouais, mais ça, oui, mais il a demandé là, les touches de raccourci. Du ah cadre. Ouais. Donc. Ouais. Moi, je réponds aux questions. Elle avait dit avec les raccourcis. Oui, je crois que c'était ce que tu avais bien demandé. Hein. Tu avais demandé les raccourcis clavier pour le faire. Ça sous-entendait qu'il fallait utiliser le clavier. Non, parce que. Ouais, on dit, avec la souris, tu peux faire clic droit de souris et exécuter en tant qu'administrateur, mais bon. Alors, il est vrai qu'il a juste demandé le raccourci. Il n'a pas dit clavier. J'ai peut-être anticipé un peu sa demande. Bon alors. Quand tu penses que c'est plein de drogue, tout ça, d'huile de palme, de sucre qui a tué des orangs-outans et tout. On ne devrait pas manger ça. Non, on ne devrait pas. Oh, c'est trop bon. Ah bah allez, dépannage. Oh, le désactive. Je suis en APIPA pour le moment. Donc, oui, t'es en APIPA, ok. Alors attends, mon serveur. Deux. Le serveur 3 d'ailleurs. Non, pas le 2, le 1 sur lequel tu essaies de ping. Bon, donc là ton poste il est connecté au vSwitch privé 5, comme demandé. Oh non, mais j'ai un souci sur mon plan réseau là. Sur le serveur. Bon, ils sont sur le 7. Quoi? Mon privé 5. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais il est là-haut, là. Mais je le vois, moi, ton privé 5, le LAN 5. Le serveur 1, il est où dans ton plan? Le serveur 1, il est là. Il est connecté à quel vSwitch? Ping
privé 5. C'est ça, c'est le 5 qu'il faut être. Bah attends, mais la machine, tu l'as demandé, il y a mettre. Ah, je me suis planté, j'ai mis mon DNS. Eh ben, tu fais ta vie. Mets-moi les instructions, c'était. Excusez-moi, messieurs. Le poste de travail, j'ai demandé de le mettre sur quel V-switch ? 5. Donc dans le LAN, 5. Bah oui, c'est ce que j'ai demandé, le 5. Bon, apparemment, toi, tu l'as connecté au V-switch privé 7. C'est ça. Et donc, il n'y a pas les résultats que moi j'avais demandé, ça c'est bizarre. Non, c'est ça. C'est en cours de révisionnage. Bah, en tout cas, tu viens de corriger ton plan, c'est sûr. Mais alors, sur le réseau, il n'y a rien de. Dans le dos, tu rebootes, c'est ça. Il n'a pas l'air de vouloir. Hein. C'est insuffisant. Bah, si ça rate, tu formates. Allez, dégage-moi ça. Allez. Et poubelle. Est-ce qu'on en a vraiment l'utilité de ce serveur, franchement ? Le serveur 2 ? Et il sert à quoi, ce serveur 2 ? J'ai même pas regardé. À quoi il sert ? S'en fout, qu'est-ce qu'il héberge ? Il héberge tous nos sites web. Oh, est-ce qu'on fait beaucoup d'argent avec ces sites, franchement ? On a combien de trafic, là ? Il n'arrive même pas à s'éteindre. Non, non, mais... Qu'est-ce que t'es en train de faire, là, monsieur O ? Je voudrais récupérer une configuration. En fait, t'as pas d'internet, là. T'as pas de... Et donc, pour... et qu'est-ce que tu fais pour récupérer ta configuration IP ? Bah, je débranche et je range ma carte déjà. Pour commencer, je peux avoir la résolution. Bah, okay. Je sais pas si je reboot comme tu dis, parce que mon, dès que je lance la commande en live de commande, j'ai un message. Une erreur s'est produite lors de la libération d'interface Ethernet. Une adresse n'a pas été encore associée. Peut-être que je passe un peu. Mais non, non. Mais ça veut dire j'ai pas d'adresse à libérer, ça. T'as pas d'IP, ouais. Mais tu fais que des releases. Il a plus d'adresse IP, cette machine. Ça fait 3 fois que tu fais release. Et il te dit, désolé, monsieur, vous voulez libérer, mais la prison, elle est vide. Hein. Il n'y a rien dedans. Il faut faire un renew, maintenant. Il n'y a pas d'idée. Ah, mais là, attends. L'identification, ça marche pas. Voilà. Bon, allez. Bah, allez, on avance. Elle est complètement plantée, ma machine. Il y a, il y a de la latence, là. Ça mouline. Bon, apparemment, il a l'air d'avoir un souci. Il a l'air d'avoir un souci avec qui ? Avec moi, apparemment. Mais non, pas avec toi. C'est toi qui lui donne les adresses IP ? Non, avec le DHCP. T'es allé voir ton DHCP ? Non. Bah, faudrait peut-être aller faire un tour. Je sais pas, entre ce client et le DHCP, il y a quelque chose ? Il est où ? Il est démarré ? Il est où ton serveur DHCP ? C'est qui ? Et alors, il est dans quel état ? Il ping, il est où le serveur ? Sur mon écran de droite. Ah, il est sur ton écran de droite ? Bon, ah ouais, d'accord, mais je peux qu'il va ralentir. Ah, je sais pas. Là, depuis qu'on a redémarré les VM. De toute façon, je peux pas ping, parce que j'ai pas d'adresse IP. Non, mais il faut vérifier. Le client n'arrive pas à joindre le serveur DHCP. Mais il faut vérifier, ton serveur DHCP il est opérationnel, il est démarré, les étendues. T'as une étendue de créer pour cette étendue là, tu l'avais fait. Il faut vérifier. Ah. Il y a un truc qui est à plat. Je peux pas. Tu vois, ça répond pas. Bon, ça ouais, ouais, mais écoute, Olivier, je crois. Ah, bah, ça expliquerait peut-être pourquoi ton serveur DHCP peut pas fournir d'adresse IP. Non. Il est à plat. Ça, ce nom-là, tu vois ta machine. Mais c'est plus général. Parce que David a un problème et moi j'ai un problème. Ce de... Ah. Vous avez vos serveurs 2 qui rament un petit peu, peut-être, tous. Alors, attendez. Est-ce que vous pouvez aller faire un petit tour dans Windows Update de vos serveurs ? Le service est désactivé. Ah, vous avez désactivé les services Windows Update ? Oui, pour éviter d'être embêté. Ouais. Formidable, alors. Ah ! Bah dis donc, on dirait qu'il y a du rouge, monsieur, yes. Dans votre DHCP. Ouais, est-ce que vous pensez que ça joue ? Je t'arrête pas, en tout cas. Quoi ? C'est chiant. Mais pourquoi il y a autorisé le serveur ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non mais, hé, stop, t'arrêtes tout là. Tu lâches ta souris, tu fermes
la console DHCP là. Yes. Ferme ça. Dans la colonne de gauche là, je vois plein de services dont un qui s'appelle ADDS. Oui. Qu'est-ce que ça fout là ça? Parce que c'est le serveur qu'on avait initialement sur le sur OVM et sur lequel on avait activé la semaine dernière AD3. Alors attendez. Je crois vous avoir dit, vous me faites un nouveau serveur. Ouais, j'ai gardé ce petit peu. Eh ben voilà, c'est pour ça, le recyclage des VM, jamais. Poubelle, ça dégage. Ça fout la merde. On garde les vieux trucs, ces trucs, j'ai pas demandé. T'as un Active Directory qui est intact, qui est fonctionnel là. Non. Qu'est-ce que... Si, tu as le service ADDS qui est installé. Résultat, le DHCP, ça marche pas quand il y a un AD avec. Il y a des choses à faire pour que ça fonctionne. Voilà, voilà. Ne recyclez pas vos VM, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Qu'est-ce que ça... Mais ça, ça veut dire que depuis lundi, ton serveur 1, c'est lui. Oui. Ton DHCP n'a jamais fonctionné. C'est impossible. Ah, mais si, je sais ce que t'as fait. T'as pas redémarré la machine avec les services AD. Et là, tu viens de la redémarrer. Ah oui. Wow. C'est ça que t'as fait, putain. On a pris en compte le rôle que j'ai fait. Ne recyclez pas vos machines. Va dans ton DHCP. Tu vas pas refaire la VM, je vais te le faire faire. Non, réouvre la console DHCP. De toute façon, il était juste désactivé, ce DHCP. Si, on va faire plus simple. Va dans la console DHCP. Ah mais en plus, renommer les contrôleurs de domaine, la mauvaise idée. Déroule l'arborescence, s'il te plaît. Ah, ça fonctionne. Voilà, tu fais clic droit de souris sur SRVXY01, autorisé. F5. Ah putain, il est à moitié installé. Refais F5. Tu fais un clic gauche sur SRV01 et tu fais ton actualiser. Ouais, c'est bon. C'est bon. Tu peux retourner sur ton client. On peut pas lui enlever le rôle tout simplement. Bah c'était plus rapide de faire autoriser que de désinstaller le rôle, redémarrer la machine, etc. Ça n'aura pas l'utilité, enfin pas pour ce TP là. D'Active Directory? Ouais. Bah non. Oui, voilà. Lundi, oui. Oui, mais et on fera une semaine. VM propre lundi. Bah, j'aimerais bien, à vrai dire, si c'était possible. Moi, je voudrais vous le demander comme un service que vous me rendriez. Parce que tu vois, là, je me dis, qu'est-ce que c'est quoi pour... Non. Moi, j'ai mon serveur d'eau qui était... Je l'ai bouffé toute la boîte pour la peine. Merde. Et voilà, en plus, je rate le panier. Ouais, quand même pas. La vue du sang, ça vous gêne, messieurs, ou pas? Ça va ou... Ouais, ça va, sur les autres, ça va. Ouais, non, mais je parlais aux autres, là. Bon, alors, revenons donc à notre client, quand même. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que le client récupère... Non. Alors, attendez. Vous aussi, vous avez tous Active Directory sur votre serveur 1? Non. Non, je vais encore remanger un bonbon. J'ai supprimé toutes les VM, mais je suis reparti à propre. Non, mais je l'ai pas. Parce que dans le script pour HL, il demande voulez-vous supprimer. Ouais, je crois que c'est ce que j'avais demandé. C'est bizarre, ton script, il a pas fonctionné. Ben, parce que je l'ai pas fait comme ça. Donc, quand vous pingez SRVXY01, ça ping. Est-ce que vous avez un autre poste de travail dans votre réseau que ce poste client qui est sur le même vSwitch que le serveur 1? Non. J'ai un souci différent. Allez, au suivant. J'arrive. Amène la boîte de bombes. Attends, allez, je vais la poser là. Je vais la poser là, direct là. Le serveur 2, buggé. En fait, donc, ça t'arrange bien. Du professeur, j'ai rebooté. Depuis, j'ai toutes mes ressources qui sont en vrac et j'ai même Hyper-V qui est en vrac. J'ai tout qui est en vrac. Parce que j'ai plus de RAM, j'ai plus de disque dur, plus de RAM. Alors, voyons voir. Est-ce que vous pouvez aller sur votre gestionnaire Hyper-V, s'il vous plaît, monsieur? Ah, mais j'ai plus rien dessus. Il n'y a plus rien. Bah, si, peut-être. Ah, aucun ordinateur virtuel détecté sur ce serveur. C'est classe, ça.
J'ai juste rebooté la machine devant. Pourtant, elles sont lancées, les machines. Non, t'as rebooté l'autre. Ouais, l'autre. Non, pas l'autre, le serveur 2 virtuel. Tu peux faire F5, s'il te plaît. Mais sur mon note, j'ai plus de ressources. La mémoire, elle est à 28,9. Le SSD, il est à 92%. L'Ethernet, il est... Ouais, j'ai tout mis à fond, là. Tu fermes et tu relances Hyper-V. Moi, je vois que rebooter la machine totale. Eh ouais, on va rebooter l'autre. Hein. C'est quoi, s'il a craché pas Hyper-V ou quoi? Bah, on dirait. Ouais. Allez, okay. Voilà. Okay. Reboot l'autre. Tu rebootes un serveur virtuel, t'as qu'une machine virtuelle. Ça craint. D'autres problèmes? Non. Donc je repose la question, non? En attendant que l'autre démarre, est-ce que vous avez un autre poste de client dans les LAN? Non. Merde, mais il est censé en avoir 4 des postes de travail. Non, non, mais je pense qu'il a... Il t'a pas laissé terminer... Non, dans un des LAN, n'importe lequel. Ah oui. C'est un PC2, ouais. Je croyais dans le... Ah, ben voilà, ben, par contre, vous avez le PC02 qui est disponible? Oui. Il est dans le LAN 3? Oui. Même chose, est-ce que vous pouvez faire ping SRVXY01, s'il vous plaît? Alors le LAN 3, c'est censé être 192.168.1x. Autre. Non mais je leur fais faire que des trucs qui fonctionnent pas pendant ce temps-là. Le temps que tu rebootes. Ouais, mais... S'il veut bien rebooter. Ouais. Alors, on va pas l'air d'être super content. Ça va, tranquille. Oui, c'est vendredi. Il fatigue un peu, il tire la langue. Ça ne marche pas. C'est normal, ça n'a pas de jambes. Ça ne fonctionne pas. Par contre, sur ce nouveau poste de travail, si vous pingez l'adresse IP... Ça ping. Ça ping. Est-ce que quelqu'un a une explication? C'est un problème de DNS. Raté. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas un problème de DNS. De domaine. C'est... Lié au domaine, ils sont pas tous dans le même domaine. Tu parles du domaine Active Directory, là? T'es en train de parler de ça, là, ou pas? Ou c'est du domaine DNS dont tu parles? Oui, bien sûr, domaine DNS. Cela va sans dire. C'était forcément ça. Si c'était du domaine DNS, vous pouvez me rappeler les FQDN, c'est de quelle forme un FQDN? Ouais, c'est point local, ouais. Fallait... Et là, vous avez mis serveur 1 point local? Non. C'est pour ça. Ouais. Vous avez utilisé ce qu'on appelle un nom court. Vous avez mis SRVXY01. Point, rien du tout. Comment on peut faire de la résolution DNS s'il n'y a pas de point derrière? Ouais. Bah, le poste, il n'y arrive pas. Si vous voulez que ça fonctionne, il est nécessaire que dans votre serveur DNS, vous ayez au moins une zone de recherche directe, il en faut au moins une, et que dans une de ces zones, il y ait l'enregistrement de serveur 01 avec son adresse IP. Si ce n'est pas fait, on ne pourra pas pinger. On va le faire. On pingera avec le point local. Par exemple, voilà, mais là, bon, la question c'est... Est-ce que vous avez un serveur DNS sous la main? Ça a rebooté, David, quand même. C'est en approche, c'est en approche. Ouais, c'est... On en a un, super. Allez, c'était le serveur 3. Let's go, serveur 3. Et ce qu'on va faire sur le serveur 3, eh ben, j'ai envie qu'on crée une zone de recherche directe exprès pour nos ressources internes. Pour l'instant, on l'a utilisé que pour le web, en fait, que pour nos sites web. Donc, il était utile pour les sites web, bon, bah, c'est très bien. Bah, maintenant, on va s'en servir pour les ressources internes, pour identifier tout ce que j'ai dans mon réseau. Et on va créer un domaine exprès pour ça, un nom de domaine DNS, hein, une zone DNS exprès pour ça. Donc, le nom de domaine Donc, sur votre serveur 3, dans les zones de recherche directe, on va faire une nouvelle zone. Et vous allez l'appeler donc domxy. Habituellement, je mets une extension qui est différente des vraies extensions de l'internet. Donc pas du fr, du com, du net, non, on met .lan, .local, .info, .intra, ce que vous voulez, .png, on s'en fout. Mais comme ça, ça me permettra de différencier vraiment mes ressources internes des ressources internet. L'extension, c'est pas la même. Du coup, le nom de serveur, il peut récupérer son alias? Ah bah, il va falloir qu'on le fasse. On met ce qu'on veut. Tu préfères qu'on l'appelle Guacamole?
Comment tu veux qu'on l'appelle cette zone? Non. Là, on va créer un domaine DNS pour toutes nos ressources. L'enregistrement serveur, on le fera après. Donc, question, on va créer quelque chose à la fin, ce sera serveur 01, point quelque chose. Alors, ce quelque chose, on l'appelle comment? Local. Non, point local, c'est la fin. Ah, ok. C'est entre local et serveur 01, qu'est-ce que vous voulez? Domaine? Non, pas le domaine. Bah, on peut écrire domaine. Vous voulez pas qu'on mette guacamole? Guacamole. Allez, bon, moi j'ai l'habitude de faire ça, je mets dom xy, point local. Ah, je fais ça. Ma zone que je viens de créer, mon domaine DNS, c'est dom xy, point local. Suivant, terminé, blablabla, voilà. J'ai donc ma zone dom xy, point local, et à l'intérieur de ma zone dom xy, point local, je n'ai pour l'instant pas d'enregistrement. Et bien, c'est maintenant qu'il va falloir le faire. Il va falloir créer un nouvel hôte qui porte le nom du serveur 1 et qui pointe vers l'adresse IP du serveur 1. Donc, let's go disco. Nouvel hôte. Ah, moi aussi. SRVXY01 avec l'adresse IP du serveur 1. Tac. 172.16.x.1. Là c'est reparti, je suis en train de raccrocher la montre. Alors, ça a rebooté? Ouais, ça a rebooté. C'est toujours la caraille ou pas? Non, ça a l'air d'être clean. Il a l'air d'être content. C'est bon, c'est revenu à la vie légèrement. Je fais pareil. On a un petit doigt qui bouge. T'es en train de créer ta zone, voilà. Dom xy point local. Je reboote. Local. Ok, suivant. Suivant. Et dans dom xy point local, tu fais un nouvel hôte. Troisième ligne. Merci. Le nom du serveur 1. Comment s'appelle ton serveur 1? Quelle est l'adresse IP du serveur 1? Et quand vous avez fait ça, sur vos postes de travail maintenant, le ping doit fonctionner, mais attention, c'est le FQDN qu'il faut pinger. Serveur 01, ça ne fonctionnera toujours pas, mais serveur 01 point dom xy point local, ça doit fonctionner. Alors, ça doit fonctionner sur l'intégralité des machines de votre réseau. Vu que toutes vos machines sont censées être clients de votre serveur DNS interne. Les gens dont les ordinateurs sont clients du serveur DNS externe, qui ne connaît pas toutes nos résolutions de nom interne, ça ne fonctionnera pas. Vérifiez bien avec un petit IP config slash all que le DNS préféré, c'est... Bah, dans notre exemple, c'est le serveur 3, normalement. Bon. C'est pas grave, ipconfig slash all, il faut vérifier la valeur. Ça reboot ou c'est... Je redémarre. Et on en a forcé. Hein. Allez hop, crac. Ouais, c'est le DNS interne. Bon, faut vérifier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ton client, ça fonctionne pas? Qu'est-ce que tu tapes sur ton ping PC02, là, je suis chez toi. Ah, t'es chez moi. Ouais, je suis chez toi, PC02. Ah, fallait pas bouger. Bon, bah, je reviens, alors. Bouge pas, vas-y, fais ton ping qui fonctionne pas. Et ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut taper. Mais c'est pas le nom de mon serveur en point local? Non, c'est pas le nom de ton serveur en point local. C'est le oui, parce que le FQDN de l'enregistrement que tu as créé, si tu retournes dans ton DNS, tu regardes, c'est srv01.domxy.local. C'est pour ça que ça s'appelle un FQDN, c'est Fully Qualified Domain Name. Ça, on peut le raccourcir.
Ça, on peut le raccourcir ? Non, non, en fait, je veux dire, on peut simplement faire en sorte de faire un ping SRV, SRV, ouais, ouais, ouais. Et ça fonctionne. Comme mon avis, on va y arriver. Ça. Je t'écoute. Je sais pas, c'est la question. Ah, la question, c'est peut-on le faire ? Oui. Je sais qu'on peut le faire, mais comment faire. Je sais. C'est pas en mettant un alias à, justement, à tout ce FQDN ? Et tu le fais où, l'alias ? En créant un, bah, dans le DNS. En... Bah, tu vas me dire comment on fait. Parce que dans la norme DNS... Et ça, c'est la nomenclature DNS, ça marche comme ça. C'est un nom d'hôte, point, un nom de domaine. Comment tu le fais sans faire de point ? Les alias. Le DNS, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est toujours blablabla, point, blablabla, point, blablabla. Et même à la fin, il y a le dernier point, il y a les routes DNS. Et les CNAME, c'est pas dans le serveur DNS. Hein. Exact. On en a fait des CNAME. Ouais, ouais. Ouais, comment ils s'appellent vos CNAME ? Vas-y. Allez, ouais. Va voir tes CNAME. Ouais, ça redémarre. C'est toujours blablabla, point, blablabla, point, blablabla. Alors, c'est dans quoi ? Alors, déjà, ça a rebooté, David ? Ouais, mais maintenant, j'ai d'autres problèmes. J'ai des machines que je connais pas. J'ai des nouvelles machines. Des nouvelles machines. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai des machines. Maintenant, je suis en API pas sur mon PC. T'es en API pas sur quel PC ? Alors, attends, j'ai pas relancé les routeurs. S'ils sont relancés. Normalement, si t'as fait un redémarrage normal, tes routeurs, ils sont toujours opérationnels. Hein. Oh ouais, ils sont lancés. Non, mais je pense non ils sont lancés, mais est-ce qu'ils sont bien configurés ? Double-clic sur routeur 1. Ouais. On va vérifier, parce que comme c'était peut-être pas un démarrage de qualitatif, tu peux faire IP Manager, s'il te plaît ? Il faut que j'aille dans le shell, je présume. Non, non. Non, IP Manager, c'est la lettre I. Voilà. Exit. Easy. Ou CTRL-D, hein, comme c'est écrit juste là-dessus. T'appuies sur la lettre I de ton clavier. Ça va. Ils ont gardé leurs adresses. C'est bon. En tout cas, le serveur 1 n'est pas décédé. Alors, est-ce que la confiance n'exclut pas le contrôle ? Je vais vérifier. Bien sûr, je vais vérifier. Tu peux aller sur ton serveur 1, s'il te plaît, double-cliquer dessus et me montrer Active Directory que t'as installé dessus, espèce de petit coquin. Si je ouais, fait, t'as de la chance. Tu t'en sors bien sur le coup. Bon, même chose, vérifie dans ta console DHCP, est-ce qu'elle est bien lancée ? Est-ce que le service DHCP est lancé ? Juste à ta droite, là, c'était. Non, non. T'es allé dans la barre des tâches du gestionnaire de serveur. Non, bah à gauche maintenant, entre les deux, le jaune. Voilà. Oh, bah il a ouvert 4 fois le gestionnaire des HCP, dis donc. Comme... On va pas en manquer, hein. Oh là 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 là, toutes les boîtes de dialogue qui sont encore ouvertes. Oh là 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 là. Sûr. Ouais, ouais, là on est bien sûr. Ah, on est bien sûr. Là là là, c'est sûr. Peut-être fermer tout ça. On va faire un truc un peu propre. Voilà. Bon, celui-là, faut que tu fasses F5 parce que ça devait être le premier toit avec deux étendues. Hein. Non, non, fais. Qu'est-ce que tu fais ? Non. En haut à gauche, là où il y a écrit PV4, avec la coche verte. Clique, actualise. Voilà. Je préfère voir toutes ces étendues que seulement deux. Bon, en tout cas, ça a l'air actif et opérationnel. Ça va. Et donc, tu disais que ton poste était en API pas ? Ouais, le poste 1. Il est sur quel V-switch ? V-switch prime 1, c'était bon normalement. Alors ça, je sais plus avec le schéma. Hauteur, c'est bon. Non, c'est pas que c'est pas. Je vais en faire ça. Oui, voilà. Tu veux chercher avant. C'est ça. En tout cas, il est connecté dessus. Ok. Alors, il est connecté au V-switch privé 1. Hein. Bah, essaye. Tire renew peut-être.
fini le match. Peut-être le serveur PHP qui est collé à ça. Moi, je sais pas, non. L'UTP et les communs qu'on a fait. Et ton. Ton truc Olivier, peut-être, non ? Ton PC 04, il a bien récupéré une adresse IP, lui ? Je les ai juste lancés. Que tu peux vérifier sur ton PC 04 qui normalement est bien connecté au privé au vSwitch privé 5. Ah oui, c'est lui qui utilise une qualité. Et lui, il ping SRVXY01. SRVXY01. Je suis fait. Non, bah essaye tout court le 01 tout court. Déjà. Voilà. Et même chose, srvxy01.domxy.local. Ça fonctionne pas. Il faut aller vérifier ton DNS. Alors déjà, là, celui-là, il faut faire ipconfig/all. Il faut que je sache quel DNS il utilise. Il utilise le serveur dont l'adresse IP est 172.203.29.29. Qui est bien évidemment le DNS externe. Et quand on utilise le DNS externe, bah ça perd l'hypopète. Toutes les résolutions de nom internes, elles ne fonctionnent pas. C'était l'anticipation, je savais. Ah ouais, j'avais déjà vu ça. Du coup, je t'ai fait une route direct. Merci. DNS, c'est le 3. C'est le 3 le DNS. Ouais. Merci. Normalement, son adresse IP, ça devrait être 172.16.1x pour toi. 12, ouais. Pensez à tout dans mes enfants. Eh ben oui. C'est votre boulot, les gars. Hein. Ah ouais, non, mais c'est. Ah oui. Pensez au café aussi. Hein. Au café. Oh, ça perd l'hypopète. Bah oui, c'est l'heure de l'apéro. Ah bah oui, là, c'est... Bon, tu me fais un slash all et si c'est le bon DNS, voilà, bon, café maintenant. Mais ça change pas ton PC. Oui, bon, café quand même, on fera, on dépannera après la pause. Hein. Oh. C'est bon là, sinon on fait jamais la pause. Tant pis, laisse-le. Je ferai des exercices sans lui. Si le PC2 il est bon, je vais pas me prendre la tête. Oui. Bah donc, tu sais que dans peu de temps tout ça va disparaître. Serveur 3 vient, on désactive notre AD. Ah, les recycleurs, les petits filous, ouais. Eh, il a tenu jusqu'à vendredi le secret. Il a le même problème qu'Olivier, du coup, là, avec la pipa, non ? Non, 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 parce que son DHCP, il fonctionne. Il y a une machine qui fonctionne pas. Donc, il avait un LAN ou... PC2, il marche pas non plus.